que le Wendigo était apparu à partir du moment où les deux frères étaient en train de se... Ils étaient en fait en train de se chamailler, en train de se gueuler dessus en fait. Je crois que c'était un truc comme ça. Je sais plus trop. Et le Wendigo en fait est apparu à ce moment-là. Et les deux fantômes en fait étaient perdus dans un espèce de duel de volonté en fait. Et vous avez vu des espèces de filaments ectoplasmiques, des souffles de présence fantomatique qui fouillaient les airs et s'enroulaient autour d'eux. Et c'est à ce moment-là que le Wendigo est apparu. Et une fois que le Wendigo a été terrassé par vous, vous voyez donc les deux fantômes qui se détendent. Ils réapparaissent en fait. Et vous voyez donc le fantôme de Carivet qui se détend et soupire. Vous voyez, je vous remonte la photo parce que. Hop là. Faudrait que je la retrouve déjà. Where is it? Voilà, c'était lui, avec ses dents toutes pourries, ses pieds gelés, tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ce. Oui, on se souvient. Voilà. Et donc, il voyait qu'il. Donc, il réapparaît. Et. La tête de guêpe. J'ai pas vu. Il y a ma soeur qui disait oui, on se souvient, puis Gaël qui faisait non. Mais si, on se souvient, si, c'était pénible. Donc non, vous voyez ses dents qui redeviennent normales, ses pieds repoussent avant qu'il ne disparaisse en fait dans le néant. Vous voyez son frère, Silas, qui se retourne pour vous faire face. Son expression est plutôt calme à présent, mais non dénuée de chagrin. Et avant de disparaître à son tour, vous l'entendez vous donner un avertissement. Attention, roleplay. Vous avez sauvé mon frère. Vous m'avez sauvé. Je devrais vous remercier en emportant avec moi dans l'au-delà le secret de la rune de Xinchalast. Mais je sais que vous voulez toujours voir ces ruines dorées. Très bien. Regardez les pages de mon livre pour y trouver le chemin, et que Thorag veille sur vous tandis que descendent les ténèbres. Donc alors qu'il prononce ses dernières paroles, vous voyez Silas qui disparaît à son tour, et vous voyez plusieurs feuilles de parchemin qui apparaissent à sa place et tombent paresseusement au sol. Ce sont en fait les 5 pages qui manquaient à la fin du livre, vous vous souvenez ? Oui, bien sûr. Alors si Vincent dit non, ça veut dire que personne ne se souvient. Vous aviez trouvé un livre en fait et il manquait des pages. Déçois, Vincent. Est-ce qu'il était dans la salle où il y avait les créatures qui attaquaient celle du haut là, celle-ci, où j'ai mis le personnage. Non. Non, elle se trouvait où il se trouvait le livre. Le livre, il se trouvait. C'était pas une salle cachée. Attends, je regarde. Si, ici. Je me rappelle quelque chose. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. C'était. Si, c'était le livre sur le bureau qui contenait plusieurs cartes détaillées de la région et elles indiquaient en fait tous les endroits qu'ils avaient creusé ou tenté de creuser. Et vers la fin, il y avait plusieurs pages qui avaient été arrachées. Et en fait, les pages qui sont tombées au sol devant vous sont en fait les pages de ce livre, en fait. Qui contenait effectivement les notes des deux frères sur l'emplacement de Xinchalast. C'est qui, Thorag? C'est un dieu. Le dieu... Thorag, c'est un dieu. Et c'est un dieu, pour pas dire de bêtises... Méchant. Non, c'est pas du tout un dieu méchant. C'est... C'est le dieu des enclumes et des barbes fournies. C'est le dieu de la forge, de la protection et de la stratégie. On était pas loin. Il est plutôt d'alignement bon, hein, même loyal bon. Du coup, vous avez effectivement maintenant les pages qui vous manquaient pour avoir l'emplacement de Inchalas. On va étudier ça. Vous vous souvenez, hein, dans la chambre forte, là où il y avait le passage secret, etc., vous avez trouvé des gemmes, des sacs de pépites d'or, la poussière d'or, etc., etc. Je crois qu'on avait déjà partagé. Ouais. Je crois que c'est moi qui avais tout coupé dans mon sac de contenance. Ça, c'est bien.
C'est ça. Allez, hop, on verse tout dedans. Alors. Ça, j'aime bien me rouler dans la poussière dehors, en vrai. Ok, donc vous avez donc les pages contenant la direction à suivre pour aller en direction de Dinchalast. À l'endroit où il y avait le Wendigo, Et plus rien. Il y a rien de spécial. Non. Et il est passé par quel mur? Le mur d'en bas, en fait. Si on... Alors, attends, hop, je vais réduire. Hop. Passer par ici. Et il passera par là. Alors, par le mur ici. Il a cassé le mur ici en fait. Attends, il y a deux mains là. Enfin, il y a deux doigts. Ah ouais, faut que je supprime mon autre doigt. Ah. Il y en a trois. Un, deux. Oublie pas de mettre un bandage parce que. Sinon, c'est. Pisse le sang. Tu peux saigner à mort. Hein. Hop, on va enlever celui-là aussi. Voilà. Donc là où il y a mon petit doigt. C'est le mur qui a été pété. Sous l'escalier quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il est plus, il a pu monter en fait par le conduit du l'escalier. Alors. Écoute, on va confier les documents à nos érudits. Oh bah, au plus érudits. Où il est mon... Deux secondes, je suis perdu dans mes notes. Moi je ne suis qu'un petit alflin à côté. Un pléonasme. Hop, alors. Je vais vous montrer une petite carte, puisqu'il y a un plan, etc. Et, image, hop, hop, hop. Non, c'est pas celle-là. Attendez, ça rame. Voilà, c'est là. Ah oui, voilà, c'est là. Effectivement. Eh ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Bon. Ben ouais, le reste est... comment dire ? Écrypté. Je vais quand même regarder, mais effectivement, la troisième partie, elle n'est... Attendez, est-ce que... Ah non, je l'ai, c'est bon, je l'ai. Alléluia. Vous avez du bol. Alors, par contre, voilà. T'as failli perdre une étoile, hein, t'as gagné du jeu. Hein. Ouais, je l'ai senti dans vos regards. Ouais, il faut improviser là, vite. Alors, donc j'ai une carte qui ressemble à ça. Quelle déception sinon. Est-ce que vous l'avez celle-là ? Elle est comme toutes les cartes. Hein, non, identité, elle charge. Elle gagne du temps, c'est pour ça. Loading. Il est en train de la dessiner. Ah, tu vois comme je dessine bien. En disant je suis génial. Oh, le sourire de Vincent, trop, c'est terrible dessine, quoi. Trop, il dessine vite. Oui, on t'entend du sourire. Ah la vache quoi. Ouais. Puis on te voit aussi sourire. Hein. Je sais pas ce qui est le pire. Alors, je vous le donne en mille. Montagne à traverser. Voilà. Ça c'est du dessin rapide. Je vous le donne en mille. Le petit carré blanc, ouais, c'est... Franck, prends un peu modèle. C'est Xinchalast. Le petit carré blanc. Le rectangle, ok. Le petit rectangle blanc, c'est là où se trouve en fait Xinchalast. Toute une région, c'est du ici. Et nous sommes où? Vous êtes... Il faut ouvrir la carte. Ouais. Elle est où la carte? Ah, elle est là, la carte. On n'était pas au milieu là des deux méandres les premiers. Si. Enfin les premiers, là, ça dépend. Alors vous étiez, j'ai fait des conneries, hein, je vous ai dit des bêtises. Ah. Vous étiez tout en bas en fait. Attendez, je regarde juste un truc parce que j'ai pas ouvert mon PDF, mais je vais essayer de faire sans pour me souvenir. T'as pas ouvert ton PDF, tu vas faire sans pour te souvenir. Ouvre-le.
Ah putain, et je rame. Mais tu n'as pas le livre en papier? Si, si, en plus, attendez, oh, je vais le prendre vite fait. Faut toujours avoir le papier et. Mais le problème, c'est qu'il l'a découpé et. Ta gueule! Voyons, il l'avait en deux exemplaires. Non, regarde, il est intact! Il est intact encore toutes les feuilles! Oui, mais dans quel ordre? Dans le bon ordre, je les ai pas recollés, hein! Il l'a mis dans un classeur pour. Alors. Franck a jamais vu le découpage. Hein. Et pourtant, découpé temps, sans reliure. Hein. Découpage de quoi? Je crois que c'était un bouquin de Warhammer, je crois. Ouais, c'était la première édition de Warhammer. Hein. Ouais. Il avait complètement découpé pour le remettre dans le bon sens. Non, non, c'est pas ça. Les... la réelle histoire, c'est que c'est qu'on est en 1980, on ne sait pas faire du papier à l'époque, on fait du collage, et le collage, au bout de 10 ans, ben, ça se décolle, quoi. Donc toutes les feuilles étaient en miettes, voilà, et donc j'ai pris un classeur, et j'ai remis les feuilles, mais dans le bon ordre, parce que moi... C'est-à-dire, d'abord ça, après ça... Et... Non, non, c'est la véritable histoire. Pages, hein. Et c'est resté, hein, il a dépiauté son livre pour pouvoir reconstruire... N'importe quoi. Quand il cherchait une info, c'était... Tu peux avoir des vraies reliures en cuir pour tes bouquins. À l'époque, ça n'existait pas. Alors, À l'époque, ça existait pas. À l'époque. C'était avant Gutenberg, alors. C'est ça. Ça prouve bien que je suis vieux, hein. Alors, putain, même dans le bouquin, j'arrive pas à me voir. Eh, je vais les déchirer, puis les remettre dans le bon endroit, parce que là, je comprends rien. Bon, j'en profite pour me ravitailler. Ah, c'est une suggestion, Alors, frappez au point du bon sens. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ah, oh ouais, putain, hein. T'as pas dit ça, Louis, depuis 3 secondes, et que Vincent a déjà la bouche pleine. Oh, mais lol. Il y a un tas de paquets de gâteaux juste derrière lui. Ah, là. Mais... On les voit, Vincent, on les voit, là. Alors... donc là, ça c'est ça. Alors, des palmitos. Hein. Des palmitos. Ouais, c'est juste des palmitos. Ouais. Oh, ça compte pas. Pas du tout, même. Alors, vous êtes ici. Et la partie droite de la carte, ça exprime quoi? C'est des souterrains? On dirait des souterrains. Le zoom? C'est la partie zoomée? C'est la partie zoomée du carré. Ah, c'est un petit carré blanc. Oh là, d'accord. Et, ça ressemble à la forme d'un goûter. Et donc effectivement, vous êtes tout en bas. C'est-à-dire, en fait, vous êtes à la... Je vais mettre mon doigt. En fait, vous êtes ici, en fait. Donc, vous n'êtes pas du tout ici. Hein. Vous êtes vraiment en bas des montagnes Kodar. Parle de poème. Kodar, toi-même. Donc, tout le monde a vu mon... Oui. Voilà, donc il va falloir, effectivement... Donc là, vous avez un petit bout, effectivement, du rectangle, qui indique, en fait, le début de Xin'Shalas. Donc, il va falloir aller jusque là-haut. Traverser toute la chaîne de montagnes Kodar. Vincent est parti. D'accord. Il y a quoi à la télé, Vincent? Est-ce que c'est... Je ne suis pas parti. C'est du Bollywood. Du Bollywood? Non, Antoine, ce n'est pas Bollywood. Tu rigoles, attends, tout à l'heure, ils étaient tous en train de danser. C'est bien, on a la télé en même temps, c'est chouette. Ah, ils étaient tous en train de danser. Tu devrais regarder, c'est saison 2 de Jane the Virgin, ça doit être super bien. Oula, je connais pas ça. Ah, je pense pas que tu... Est-ce que... Attends, attends, attends. Attends, je pourris, Antoine, désolé. Est-ce que je peux, maintenant qu'on sait où on peut rechercher, est-ce que je peux prendre du temps pour chercher dans ma boule de cristal? Donc, ah, c'est vrai bon. Que t'as une boule de cristal. Hein. C'est bon, Antoine, t'es mal barré. Oui, pourquoi? D'ailleurs, je crois que j'avais emprunté des sous à l'époque. Est-ce qu'elle entend ce qu'on dit? Non, mais elle entend ce que je dis.
Donc, tu veux chercher quoi exactement? Ça fait comme le sort de scrutation. Mais en fait, j'aimerais trouver la cité de Xin'Chalas avec la boule de cristal, vu que je sais à peu près où elle est localisée. Et après, scruter un endroit plus précis pour nous rapprocher, nous téléportant. Alors, ça va être vite fait. Oui. Tu n'arrives pas à... tu vois le carré, le rectangle blanc? Bon, ouais. Tu n'arrives pas à scruter au-delà de la rivière qui bloque le passage, en fait. Tu n'arrives pas à déjà se téléporter avant le carré. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous rapprocher? Ouais, c'est toutes les montagnes. Ah oui, ouais, complètement, ouais, c'est possible. Je vois que je ne peux pas aller plus loin, entre guillemets. Je reviens en arrière, j'essaie de trouver un endroit qui se prêterait à la téléportation, c'est-à-dire un endroit où... Il y a deux choses que tu peux faire. C'est déjà lire les instructions, effectivement, qui sont indiquées sur les pages manquantes. Et puis, en même temps, essayer de scruter, effectivement, de suivre, en fait, les instructions de ce qui est écrit sur le journal. Et puis, de voir, en remontant un peu les rivières, etc., voir où tu pourrais, effectivement, vous téléporter, quoi. Alors, je lis un truc. Hein. Vas-y. Je suis en train de chercher le sort scrutation, je sais pas ce que ça fait. Ah ok, d'accord. C'est bien ce que je pense. Ok, donc tu vois que effectivement tu es en train de lire les instructions, en même temps tu essayes de scruter. Donc en fait, ce qu'il faut faire d'après les instructions, c'est... Alors là, attendez, hein, je lis. Il faut... Donc d'après les instructions qui sont indiquées sur le livre, il faut que ça consiste en fait à remonter le Khazaron. Alors le Khazaron, c'est... vous avez la carte... À droite, là. Ah, attendez, je sais pas si... où est-ce qu'il est mon doigt? Il est plus là? Ah si, il est là. J'ai. Donc le Khazaron, c'est, si je me plante pas, enfin, je mets les caméras ailleurs parce que là ça me fait chier. Donc le Khazaron débute en fait ici, là où il y a mon doigt. Il suit ici. Et c'est ici. Il va prendre sa source ici, en fait. Voilà. Donc toute cette partie-là, c'est le Khazaron. Ici, c'est la rivière qui s'appelle la Stalak. D'accord. Et cette branche-là, c'est Lava. Qui va jusqu'à Xin'Chalas. Et le petit bras de rivière qu'il y a ici, c'est l'Elitus. Donc, d'après les informations que vous avez, il faut remonter donc la Khazaron. Attendez, parce que j'ai un problème de... Voilà. Hop. Montez donc la Khazaron. On va te la remonter, la Khazaron, tu vas voir. Et... jusqu'à son deuxième affluent, en fait. Donc le livre désigne en fait la rivière de ce deuxième affluent comme la légendaire Ava. Elle précise aussi que la route qui serpente entre les montagnes Kodar n'est pas taillée pour les faibles. Il n'existe pas de berge pour se déplacer le long de la rivière et cette dernière forme souvent des cataractes de plus de 90 mètres de haut, tandis qu'elle remonte toujours plus haut dans les montagnes. Donc toi t'es en train de scruter Oswald pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un plateau, une chose comme ça. Et effectivement en regardant jusqu'à la limite qui était imposée en fait par Xin'Chalas, tu remarques un plateau qui pourrait te permettre en fait de pouvoir téléporter tout le monde. Donc vous serez téléporté à la limite en fait de ici, en fait. Et il faut qu'on perde deux jours. Un jour pour mémoriser un max de sorts de téléportation, enfin un max, un ou deux, ou au moins. Et un jour pour récupérer d'autres sorts à la place.
Alors, vous pouvez effectivement dormir dans la cabane pendant les jours qui te ou dans ta dans ton domaine, dans ton manoir. Il y a pas de. Y a c'est pas plus de sûr. Ouais, c'est plus sûr. C'est plus chaud, je pense aussi. C'est plus chaud. Il y a bouffé. C'est ça. Il y a bouffé. Il y a des domestiques. Ah, il y a des orgies. Yeah. C'est génial. Il y a des elfes en petite tenue. C'est parfait. Voilà. Du coup. Et Saint Marienne Chapia. Surtout. Donc du coup, pendant ces deux jours, en fait, vous allez rester dans le domaine, à vous reposer. Donc je considère que vous avez récupéré, faire passer au moins une journée. Et au moins, vous avez récupéré vos points de vie. Je pense que les sorts ont été lancés pour pouvoir soigner. Sauf si Vincent me dit non, je soigne oui, personne, oui, il se démerde. Bien évidemment. Ah, ok. Donc on peut soigner tout ce qu'on a. Alors, je vais faire les 22 points de blessure. Ouais. Nous on met les panoplies magiques avant de partir, hein, bien sûr. Donc je laisse les panoplies magiques. Hein. Et puis vous récupérez votre total. Voilà, il n'y a plus de. Ilmar, t'avais 10 points de vie, je te les remets. Paf, t'en as plus. Voilà. Donc tout le monde est à jour au niveau des, des soins. Alors, je vais faire venir Falgor et on l'a soigné, ça marche. Et Falgor revient. Et je vais pouvoir mettre Falgor dans le combat tracker. Ouais, attends, je le reprends. Hop. Falgor, je le remets en combat. Voilà. If. Donc, grâce aux instructions du bouquin et grâce à la scrutation de Oswald, vous allez pouvoir faire un joli pas en avant. Donc je fais une ellipse, hein. Deux jours se sont écoulés, vous êtes prêts pour pouvoir, je pense que vous partez le matin, pour pouvoir accéder en fait à la limite de la de Xinchalast. Et c'est là qu'on va arriver. Que t'as besoin de lancer un sort Est-ce que t'as besoin de lancer les dés lorsque tu jettes téléportation Bonne question. Mmh. Attends que je retrouve. Pas de truc à hasard ou y'a pas de variable hein. Il y a des variables à téléportation. Il y a des variables. Oui. Il a 30% de chance de nous réincarner dans fusion avec la pierre. Pour emporter les objets, blablabla. Si il peut être difficile voire impossible de se rendre à certaines zones balayées par de violentes énergies physiques magiques. Très familier. Décrit le lieu où le personnage s'est souvent rendu, où il se sent chez lui. Soigneusement étudié, c'est plutôt ça quoi. À la boule de cristal, c'est ça? Représente un endroit qu'il connaît bien, soit parce qu'il est allé, soit parce qu'il a vu de ses propres yeux. Donc c'est ça. Donc il faut jeter un dé de sang. T'as un dé de sang à lancer ? Ouais, il y a un dé de sang à lancer. Entre 1 et 94, c'est bien. Entre 95 et 97, je tombe à côté. Ils appellent. J'arriverai dans une dans un lieu similaire. Non, translation. Ouais. Après, c'est lieu similaire et incident sur un sang sur le dé de sang. Eh ben, vas-y. Jette-moi un dé de sang. Je rigole. Fais-moi rire. Rigoler. Dans la tour cachée ou dans. Non, normal. C'est bon, ça passe. Super. Par contre, tu vas me faire un jet de niveau de lanceur de sort. Fais un check de NLS. Oui, merde, j'avais oublié, il fallait que je regarde check pourquoi je l'avais. Ouais. C'est pas l'invocation. Donc c'est pas la... non. C'est un test de concentration, c'est ça? C'est un test de concentration, ouais. Ouais, c'est parti. Oh, de la merde. Peu de magie. C'était 30. Ah bah, tu vois qu'au moment où tu lances ton sort de téléportation,
ça ne fonctionne pas. Merde. Et bien alors, Oswald, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme une machine qui t'aise à tout. Ouais, mais ça fait comme le Faucon Millenium qui n'arrive pas à passer en vitesse lumière. Bah, si tu l'as plusieurs fois, oui, tu peux putain, relancer, tu rejettes un dé de 100 et tu me refais un check. Et donc ce jour-là, oui, je t'ai dit que j'ai essayé de mémoriser un maximum de téléportation. Donc, Ah ouais, mais après tu vois, le premier, en tout cas la première fois que tu lances le sort, ça fonctionne pas. C'est bon. C'est bon. Un nouveau. Toujours le doute. Et un nouveau caster check. Oh putain, de pire en pire. J'ai dit, bah, ça marche pas. J'ai la loose. La loose est à moi. Ça ne fonctionne pas. Bon, ben voilà. Je vois pas comment booster ta concentration. Moi non plus. Si, il faut que le médium me donne un niveau de plus. Ouais. Alors, Oswald, tu dois pas l'air très concentré. Même la sagesse du hibou, ça va pas le faire. Ce que je fais, c'est que je teste avec téléportation suprême. Sort de niveau 7. D'accord. Le balèze que j'ai. Ça, c'était la téléportation normale. Il n'y a pas de limite de portée, j'arrive toujours sur l'objectif. Il n'est pas nécessaire de connaître la destination. Une simple description, même sur un livre et tout, ça suffit. Ah là, t'avais le bouquin des Wecker pour pouvoir te diriger. Donc, le personnage de la destination, on s'en fout, 150 km par niveau de lanceur le sort, donc c'est bon, on s'en fout. Il y a toujours le dé de pourcentage, ou avec la suprême, non. On l'enlève. Attends, si je jette un dé de 100, alors des endroits balayés de trucs de magie, je jette un dé de 100. Eh bah, tu jettes. Blablabla. J'aurais dû faire ma propre table de téléportation, ça aurait pu être un peu drôle. Sauf que là, ouais, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, je vois pas pourquoi, je vois pas la différence avec la téléportation normale en fait. C'est juste, t'as pas besoin de voir, c'est tout. Y'a pas de limite de portée et j'arrive toujours sur l'objectif, ça te dit. Et c'est complètement con, puisqu'après ça te dit, ah oui, dans les zones de magie. C'est dans les zones de magie perturbées. C'est que dans les zones de magie qui est perturbée. Oui. Et là, on peut dire que avec Vinchalast, ouais. C'est très perturbé. Oh, ouf, j'ai eu peur. Oh putain. voilà. Et ben, c'est la même chose. Il faut quand même un caster level check là. Oui. Bon, ben, si ça marche pas avec là, je vous le dis tout de suite. Moi, j'y crois plus. 20. Oh, incroyable. Plante-toi, Karzouk, j'arrive. Ouais. Et j'arrive là-bas. Bah, bien donc, vous êtes obligé de vous prendre la main, c'est ça, hein, pour la téléportation. Mm-hmm. Donc vous faites une ronde. Donc c'est une ronde. Et donc vous voyez, vous êtes effectivement téléporté de l'endroit où vous vous situez à un autre endroit. Et on va s'arrêter là, vraiment, parce que là, j'ai pas la suite. Parce que vous avez été beaucoup trop vite. Bah non, mais vous avez... il y avait plein de choses à faire avant, hein. Donc vous avez été téléporté, donc du coup... Mais les gars, fallait dire non. Fallait pas l'inviter. Ah bah, fallait pas. On repart en arrière. Pour le maître du jeu. Donc du coup, on a trois niveaux de moins. De moins que ce qu'il faudrait. Non. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un level là. Quoi ? Vous allez prendre un level. Celui qu'on veut ? Le 20 ? Non. Vous allez prendre un crétin. Vous passez niveau 15.